Salut à toutes et à tous, c'est Kirksoud et on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de faire découvrir le jeu Killing Floor. Alors pour cette vidéo, je serai accompagné de Andrew Feld. T'es là, Andrew? Salut tout le monde. Salut. Je suis là. Ça va? Ça va et toi? Voilà, ça va très bien. Donc Andrew est un ami de ma communauté. Communauté donc croyant à notre dieu qui est une carte. Enfin bref. Donc Andrew va faire un commentaire à la fin de la vidéo sur King Floor pour essayer de vous donner envie d'acheter le jeu ou en tout cas de l'essayer pour vous donner envie de jouer. Alors Killing Floor, déjà c'est un jeu de zombies. Je pense que vous allez voir avec les petites images défilantes. C'est un jeu de zombies qui se passe en Angleterre vers Londres. L'histoire, c'est donc il y a eu des expériences qui ont été faites sur des hommes pour essayer de les rendre plus forts. Et donc en fait elles se sont mal déroulées et c'est devenu des gens très bizarres, des petits zombies on va dire, spécimens. Voilà. Alors là c'est vrai, donc ils mettent au fond c'est le thème Noël, comme les développeurs du jeu. Le thème Noël c'est vraiment une bonne idée, ça donne envie de jouer. Alors par rapport aux personnages, donc au fur et à mesure du jeu, vous pouvez augmenter vos performances pour devenir de plus en plus fort et pour avoir des armes de moins en moins chères. Les armes s'achètent dans des magasins. Par rapport aux performances, vous avez 16 classes, donc vous avez la classe démolition qui consiste donc à faire un maximum de points de dégâts avec des explosifs, donc avec des grenades ou des bombes à poser. Les bombes à poser détectent les zombies, quand ils se rapprochent elles explosent, elles font énormément de dégâts et elles tuent beaucoup de monde, c'est vraiment pas mal, très utile pour les gros monstres. Il y a aussi Crampo, qui est la dit que le but est de cramer. Plus vous montez dans les classes, plus vous avez des réductions et des atouts. Mais je ne vais pas trop m'éterniser dessus, comme il y a pas mal de choses à dire. Donc je parle rapidement de chaque classe. Donc la classe Crampo étant de brûler les gens. Comme vous pouvez voir là, on monte de classe en accomplissant les quêtes. Donc brûler 100 000 de dégâts avec un lance-flamme ou un Mach 10 qui a une forme de lance-flamme très puissante. Vous avez le guerrier furieux, dont le but c'est d'attaquer au corps à corps avec des tronçonneuses, des katanas, des épées, des couteaux, des machettes et autres outils pour découper les corps. Vous avez la classe commando, donc le commando c'est pour les soldats, les mecs qui veulent s'engager au GIGN. Bref, les commandos c'est donc avec les Pulbub, les AK-47, les SCAR, et donc faire des kills avec les grosses armes, on va dire pas les armes lourdes, mais les armes de tir puissant. Vous avez tireurs d'élite, donc c'est pour les gens qui ont l'âme d'un sniper, et qui aiment bien mettre des balles dans la tête. Vous avez le logicien, c'est pour les gens qui aiment bien, on va dire, souder, parce que dans le jeu on peut souder et donc mettre les portes clouées, souder, les laisser fermer et aussi mettre des dégâts avec les fusils. C'est vraiment les soldats à l'ancienne pour moi, les logiciens, mais ils sont très utiles. Et vous avez les docks, comme dans comment il s'appelle déjà ce jeu, Team Fortress, donc les dogs ils soignent leurs amis et donnent de la vie. Et comme vous pouvez voir c'est très dur parce que là je suis rien que classe 3, qui est on va dire enfin, la moyenne, comme il y a 6 classes, et c'est de plus en plus dur de monter logiquement. Et donc voilà la classe 3, on est déjà à 12 000 soignés, c'est déjà très long. Après avoir fait le tour des perks, donc vous voyez c'est vraiment pas mal pour donner un objectif dans le jeu. Vous avez pas mal de perks aussi après ça pour le style. Et pour choisir votre perso, policier, grand policier, grand soldat, mec avec un masque bizarre, ou encore le résultat à l'ancienne on va dire. Et ce jeu est assez commercial, mais surtout pour le fait qu'on s'est développé on va dire. Ce jeu a déjà été fait en 2004 pour un petit moment, et donc il a après volé ses propres ailes pour se faire un gros nom dans les jeux vidéo. Vous pouvez voir là par exemple, vous pouvez acheter d'autres soldats, vous pouvez les voir en dans le feu de l'action. Donc après c'est des petits trucs qui coûtent quelques euros, 1,49€ et tout, c'est vraiment rien du tout. Alors pour commencer, je vais pas vous faire regarder le menu toute la vidéo. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver dans la partie au niveau juste avant le boss. Voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on se retrouve tout de suite. Alors je vous appelle chargement, j'espère, je pense que c'est pas très utile, tu crois pas Andrew? Je crois oui. voilà, tu prends la vidéo après ce petite démonstration donc du boss de fin.
Et bah on a 1 minute 8 pour vous montrer donc qu'est-ce qu'a la marchande. Donc à chaque fin de vague on va aller faire nos courses avec notre argent. Donc là j'ai le maximum d'argent et je vais essayer de vous montrer donc les meilleures armes. Je vais prendre un petit lance-grenade et Claymore qui sont deux des meilleures armes vraiment. Voilà. Donc on est à l'avant-dernière manche. Je suis tout seul comme ça, vous aurez pas de problème et tout par rapport au monde qui aura dedans. Et donc je vais essayer de vous montrer un peu de gameplay et comment jouer rapidement le jeu. Alors comme vous pouvez voir, par exemple là la porte elle est écrit un petit pourcentage dessus, 33%. Donc pour souder c'est simple, voilà, vous montez et tout. Et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, vous soudez de plus en plus vite et après en fait on ralentit. Voilà, vous pouvez évidemment dessouder plus ou moins vite selon vos classes. Après, là c'est un petit paquet, mais non, c'est parce que c'est une map de Noël, mais bon. À l'intérieur, généralement, il y a des munitions en fait. Et donc moi j'ai toutes les munitions, donc j'ai pas besoin de le prendre, je me ferai après. Après, donc ce que j'ai en main, c'est une des armes de corps à corps, donc la meilleure avec la tronçonneuse selon moi. Et voilà quoi, elle est très puissante, elle peut tuer des gros infectés rapidement. Et je suis avec un lance-grenade. Voilà. Qui est on va dire le meilleur lance-grenade du jeu selon moi en tout cas. Alors en haut à droite je vais voir 29 vague 4 sur 4, donc 29 est un équivalent au nombre de méchants restants et la vague 4 sur 4 donc ça veut dire que c'est la quatrième vague et donc la vague 5 sur 4 sur équivalent donc au boss. Voilà, 5 sur 4 là. Je vais voir la puissance donc du lance-grenade. Hop, petite clé morte, hop là je défonce la tête, il me charge. Donc là c'est un bonheur, pas d'excuse parce qu'en fait je suis en période de Noël et donc les créateurs ont eu la bonne idée de mettre des skins de Noël au personnage. C'est vraiment marrant parfois mais j'ai rien de plus au final. Là c'est des petites choses qui sont là parce que moi j'ai des amis tranquilles. Donc là vous voyez donc en rouge. Ah là c'est une pleureuse, voilà. Une sirène. Voilà, je les ai tués, j'ai pas pris de dégâts comme en bas, donc en bas à gauche j'ai un petit gilet par balle, donc 91, c'est l'une des gilets qui me reste dans le jeu. Alors là j'envoie une petite grenade, là je fais un peu de ménage, voilà j'ai plus ça. Hop là, donc j'en ai plus que 4, hop, juste un gros, voilà, vous voyez, il charge, machin, corps et je l'explose. Donc là c'est donc le Père Noël, mais ce n'est pas le boss. C'est un petit Père Noël donc il vomit comme le bouillon dans Left 4 Dead. Voilà. Donc si vous touchez avec le vomi, vous allez perdre la vie. C'est très marrant du tourner autour, d'après l'habitude. Voilà. Donc parce que je vais faire c'est je vais zapper le chargement. Ça, en fait ça va être comme tout à l'heure la boutique et tout, donc je vais zapper le chargement. Et voilà, on se retrouve. Excusez-moi de reparler tout de suite. Hein. Donc là vous pouvez voir donc le boss qui est déguisé en Père Noël. C'est marrant, c'est le Père Noël. Voilà, donc il essaie de se sauver déjà comme j'ai bouffé pas mal de vie. Et voilà, je l'ai déjà tué. Donc vous pouvez voir la puissance donc, du lance-grenade. Et faut savoir qu'en mode normal, c'est plus dur. J'ai de l'argent, je suis riche. Voilà, donc j'envoie mon argent. Je suis très riche. Hein. Donc c'est la fin de la vidéo, mais de ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec Anger pour écouter son avis sur le jeu. Tu es là, Anger? Oui, je suis là. Heureusement, si donc, mon... Lol. Vas-y, donne ton avis. Donc mon avis sur Killing Floor. Killing Floor est un jeu super bien. Si vous avez l'occasion de le tester, testez-le. Car pour moi, il est super bien. C'est tout. Ouais, t'as j'ai ça qu'à dire. Bon, il est nul, il est super nul en fait. Non, je rigole. Lol. Ouais. Non, franchement, si vous avez l'occasion de le tester, testez-le. Ok, merci Andrea. Donc, ce qu'on va faire pour se quitter, c'est que je vais vous mettre un petit vidéo montage avec des micro-scènes, pour ceux que ça fasse, des petites scènes de quelques secondes. Et histoire de faire vous mettre l'eau à la bouche pour le jeu et pas vous montrer tout, mais vous montrer quelques petits passages assez classe. Voilà, salut tout le monde. Andrew, on dit au revoir. Au revoir. C'est bien, t'auras une glace ce soir et t'auras ma sucette. Ouais, merci. Allez, salut tout le monde.